reste pas un geste posé en vain pour nos gouvernements et les associations qui plaident pour la vie et pour la mort dans la dignité. Je souhaite vivement que tous, oui, tous, s'interrogent et s'informent pour comparer ce qui est fait ailleurs en matière d'euthanasie et de suicide assisté, comme par exemple en Hollande, en Belgique ou dans ces pays où déjà on a une expertise en la matière. C'est Daniel de Granby qui nous écrivait ce message. Mon prochain invité est le Dr Michel de Tousignan. C'est un professeur en psychologie, mais également il est du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie à l'UQAM. Bonjour Dr Tousignan. Bonjour. Bienvenue au Grand Journal. L'histoire de Marcel Tremblay, qui a décidé de mettre fin à ses jours en fin de semaine, âgé de 78 ans. Vous avez entendu parler de ce geste-là. Comment vous avez réagi à cette façon de faire? Bon, c'est toujours c'est une question de mort. Surtout ici, ça avait lieu, je ne sais pas, c'était semi-public. Enfin, il s'est enlevé la vie de façon privée, mais il en a fait un événement public. Donc, ça met sur la scène cette question extrêmement difficile de savoir s'il y a des gens qui sont dans des situations d'extrême douleur. Est-ce que la société leur permet d'achever leur vie à ce moment-là? Parce que quelqu'un qui va mourir de toute façon, qui est aux prises avec une maladie incurable, comme dans le cas de M. Tremblay, qui est extrêmement souffrante, cette personne-là est souffrante, c'est une chose. Le suicide de quelqu'un qui a un problème quelconque, c'est une autre histoire. Et j'entendais des intervenants au début nous dire, on a peur que des suicides médiatisés comme ça aient un effet néfaste sur des gens qui, eux, auraient peut-être l'intention à mettre fin à leur jour pour d'autres raisons. Oui, ça se peut. Maintenant, c'est pas certain. C'est une condition bien particulière parce que c'est quelqu'un qui est en proie à des souffrances physiques et c'est différent des gens qui généralement se suicident, qui sont en proie à des souffrances morales. Alors que l'on regarde des images de M. Tremblay captées vendredi dernier alors qu'il donnait son point de presse, où est-ce qu'on en est au Québec quand on parle d'euthanasie? L'euthanasie n'est pas permise. Actuellement, enfin, c'est une loi canadienne qui empêche l'euthanasie. Par exemple, le suicide de M. Tremblay aurait été peut-être impossible au Québec parce qu'il y a un code civil qui oblige à porter assistance à quelqu'un qui est en état de danger de mort. Donc, on pourrait, avec cet article-là, accuser les membres de sa famille de ne pas avoir réussi à dissuader cet homme-là alors qu'il savait que le geste était pour être posé. C'est ça, au Québec, mais pas en Ontario. Donc, de poser son geste en Ontario protégeait la famille. Protégeait la famille, exactement. De cet homme-là. Parlons donc du deuil maintenant. On a parlé des soins palliatifs, du manque criant de lits, de gens qui doivent terminer leur jour dans des corridors d'hôpitaux. Est-ce que c'est la façon dont on meurt peut avoir une incidence sur le deuil de nos proches? Bien, j'imagine, parce que des gens qui meurent dans des situations qu'on pourrait qualifier d'humiliantes, alors qu'on s'imagine qu'elles auraient droit à des soins qui sont souffrantes, qui ne sont pas chez eux, qui sont dans un lieu de passage, je pense que c'est extrêmement difficile pour la famille d'avoir à subir un tel événement. Quand vous penchez au centre de recherche sur l'euthanasie, est-ce que ça a un lien avec, par exemple, les soins qui sont donnés, le manque criant de ressources, par exemple, dans les hôpitaux et ces décisions qui sont prises par des gens qui disent, ben, moi, j'aime mieux me mettre fin à mes jours que de ne pas avoir les soins auxquels j'aurais droit, par exemple? Oui, parce que tout ce débat-là doit se comprendre dans la qualité de vie que la famille, que la société, les services sont prêts à donner aux personnes qui sont dans un état de maladie avancée ou un état de souffrance extrême. Il faut se questionner sur est-ce qu'on leur donne vraiment toute la qualité de vie dont on est capable? Est-ce que c'est appelé à bouger dans les mentalités, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'on va évoluer de ce côté-là? Oui, je ne sais pas si on va évoluer parce qu'on semble faire du surplace avec les urgences, mais dans le cas des soins palliatifs, il y a quand même eu un progrès depuis plusieurs années et on est davantage conscient des enjeux de la souffrance qu'on doit réduire et aussi du support moral qu'on doit donner aux gens, surtout pour ceux qui n'ont pas nécessairement des parents ou des enfants très proches, qui sont très isolés. Merci beaucoup d'avoir participé au Grand Journal. Ça m'a fait plaisir. Le Dr Michel Tousignan est un professeur en psychologie du Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie. Monsieur Paquette est en ligne. Bonjour, Monsieur Paquette. Bonjour, Madame Vachon. Est-ce que vous pensez que c'est possible de mourir dans la dignité au Québec?
Je crois que oui, mais il faudrait qu'on arrête toujours de lancer la balle au gouvernement et toutes aux associations là, qui s'occupent des personnes âgées, parce que moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on stationne nos parents dans des genres de bunkers, c'est toutes des vieilles personnes qui sont là. C'est moi, si mes parents, mon père décédait ou ma mère, après, je prendrais mon père ou ma mère, puis je le garderais chez moi. C'est chez soi, ils nous ont élevés, il me semble que c'est à nous autres d'être avec eux autres, de leur faire une petite chambre, puis de les garder à la maison, pas les parquer dans des endroits comme ça. Mais votre style de vie, par exemple, M. Paquette, vous permettrait de pouvoir garder un de vos parents à la maison et de lui assurer des soins 24 heures sur 24? J'espère, si c'est possible, parce qu'une bouche de plus à nourrir, là... En fait, ce n'est pas vraiment, je pense, la bouche de plus à nourrir qui inquiète les gens, c'est qu'on est au travail, on n'est pas là. Si on n'est pas là pendant 10, 12 heures par jour, il faut que des gens soient là, des infirmières, des gens qui soient auprès de notre père ou de notre mère. Et souvent, c'est ça le problème. On n'a pas les moyens pour payer ces gens-là qui seront au chevet de nos parents si nous, on est au travail. Oui, si la personne n'est plus autonome, puis vraiment, là, c'est des cas d'hospitalisation là, à l'extrême, je comprends. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans des centres de personnes âgées, comme c'est posé. J'ai vu des personnes âgées que jamais, jamais leurs enfants se présentaient la face là pour les voir. Il n'y avait pas de visite. Il me semble que tu peux pas laisser une personne qui t'est élevée, qui te chérit, qui t'a mis au monde dans un endroit comme ça. Il me semble que t'as des amis, t'as des petits-fils, des oncles, des frères, des sœurs. Tout le monde se met la main à la pâte, là. Un retour aux sources, puisque nos ancêtres gardaient leurs parents à la maison. Bien sûr. Puis aussi arrêter, les médecins, de jouer à Dieu, là. Quand que la personne est légume, elle réalise même pas qu'elle est dans un centre de personnes âgées, elle réalise même pas, puis qu'elle fait un OCV. Réanime-les pas, laisse-la partir. Son temps est arrivé, il faut qu'elle parte. Mais non, on les réanime, on les met ses pelules, on les garde en vie le plus longtemps possible. Puis on se ramasse avec une surpopulation de personnes vieillissantes. Vous avez des propos durs, monsieur Paquette, mais quand même, merci beaucoup d'avoir appelé au Grand Journal. Merci, au revoir. Merci. Je vous lis un petit courriel juste avant d'aller à la pause. Je pense que oui, c'est possible de mourir dans la dignité au Québec, mais malheureusement, cette personne-là croit également que notre argent est gaspillé partout et qu'on devrait resserrer le budget et s'assurer qu'on ait droit à des lits en soins palliatifs. C'est Linda qui nous écrit ce courriel. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous croyez que l'on peut mourir dans la dignité au Québec? 790-0874 si vous êtes de Montréal. 1-877-790-3535 si vous êtes de l'extérieur. Vous pouvez également nous écrire un petit mot sur Internet à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. On va prendre vos appels et lire vos courriels tout de suite après la pause. C'est l'événement On s'éclate avec Ameublement Trifluvien et Frigidaire. On vous offre les meilleurs prix sur un grand choix d'électroménagers, de mobilier de salon, mobilier de cuisine, mobilier de chambre à coucher, de matelas. Vous gagnez sur tout. Et avec tout achat, crevez un ballon et gagnez à coup sûr. Des centaines de prix dont une laveuse sécheuse de marque Frigidaire. Jusqu'au 9 mars, On s'éclate avec Ameublement Trifluvien, Frigidaire et TQS Mauricie. Saison, nouvelle couleur, choix, confort, exclusivité, style, féminine, décontracté. Découvrez la mode printanière à la boutique Coup d'œil, Centre-Ville Trois-Rivières. Même si le format nous semble petit, pas besoin d'en mettre beaucoup. Un gel, ça suffit. C'est encore plus frais, je trouve. Ça sent l'été dans la maison. C'est un concentré. Oui, j'aime ça. Le nouveau Glade Ultra, offert en 5 fragrances. Je t'invite à la soirée Information Admission du Collège La Flèche. Le jeudi 10 février, de 17h à 20h. 7h, ouf. Non, excuse. Les professeurs de tous les programmes seront sur place pour répondre à tes questions. Tu peux faire ta demande et obtenir une réponse sur place. Il y aura même une visite du collège et de la résidence. Je l'ai raté! Abstraction. On t'attend le 10 février, de 17h à 20h. C'est à DG?
Au Collège La Pêche, on a la boîte. Découverte fondamentale, les rides se forment sur les lignes de contraction. Si la peau ne se décontracte plus, la ride s'imprime. Myokine de Vichy, premier soin à l'adénoxine. Sa formule décontracte l'apparence de la peau, réduisant l'aspect des rides. Dès 21 jours, efficacité prouvée par les dermatologues. Innovation Myokine, le soin intensif anti-rides dermodécontractant. Vichy, la santé est vitale. Commencez par une peau d'apparence saine. Découvrez le soin contour des yeux Myokine, zone périoculaire. Obtenez votre échantillon jusqu'à épuisement des stocks. Un grand rire bleu animé par Michel Barrette. Peut-être 180. Je venais de ralentir, je roulais au moins 220. Bob la cuillère. Devant mes chums, je vais pas arriver à une étiquette de 180. On dit, hey, sacrifice, tu prenais ton temps. Et Michael Rancourt. Ce mercredi, 21h à TQS. Une entreprise spécialisée dans l'entreposage de granules de bois a été la proie des flammes samedi soir dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap. Il ne reste presque plus rien de l'entreprise Spiro Biomass située dans le parc industriel. Les propriétaires ont indiqué toutefois qu'ils avaient l'intention de reconstruire. L'entreprise employait 5 personnes. Le Grand Journal en bref. Une présentation du Collège La Flèche. Est-ce que c'est possible de mourir dans la dignité au Québec? Madame Sauvé est en ligne. Bonjour, Madame Sauvé. Moi, je pense pas. Si on est riche, on peut mourir dignement. Mais de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont faire le même geste que M. Tremblay. Parce que moi, je suis d'accord avec lui, là. En fait, vous pensez que l'argent peut amener de meilleurs soins? Sûrement. Puis si les enfants, on sait que les enfants n'ont pas le temps. J'en ai des enfants, puis la solitude aussi fait mourir. Mais seulement que je prends, là, il y a eu un cas dernièrement que la madame, là, qui a fait tout un plat parce que sa mère n'avait pas eu les ongles d'orteil coupés par faisant un an, là. Oui. Mais là, gars, si t'as pas le temps, là, peut-être tu pourrais y payer un pédicure de temps en temps, là. Donc, que les enfants s'impliquent plus auprès beaucoup de leurs plus. Parents et de mettre moins de responsabilités sur les épaules du personnel qui est là en place. C'est sûr, parce que moi, je suis bénévole dans un CHSLD. Oui. Et puis, où ils sont bien traités. Ben, je dis pas qu'ils souffrent de solitude beaucoup, là, mais il y a quand même des activités puis tout ça. Puis je vous dirais que il y a 10% des gens qui ont de la visite. Ah, si peu que ça. C'est pas si possible, peu. Là. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Donc, il y a un désengagement total de la absolument, famille. Absolument. Puis je trouve que ça va être la meilleure façon de faire aussi, parce qu'on dirait que en vieillissant, là, on est trop. Il n'y a plus de place pour nous autres. Ah, des propos durs, encore une fois. Oui. Merci d'avoir appelé le Grand Journal. Il y a Pierre qui est en ligne. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous répondez à notre question d'aujourd'hui? Ben moi, j'ai perdu ma femme en 96 d'un cancer. Mm-hmm. Et puis, elle est décédée à la maison. Oui. On a eu l'aide de l'organisme Ville-Marie, là. Mm-hmm. L'organisme dont Étienne nous parlait tantôt? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et puis, de l'hôpital de Verdun. Oui. Puis, je peux vous dire que je pense qu'elle a eu la plus belle mort qu'elle pouvait avoir. Donc, c'était un choix. Vous avez fait des demandes, vous avez réussi à avoir de l'aide et vous avez réussi à créer pour votre femme un environnement où elle se sentait le mieux possible compte tenu des circonstances. Oui, parce qu'elle était chez eux, puis elle nous voyait à tous les jours, puis on était là, puis on avait pas besoin de courir de l'hôpital à chez nous. Ce qui est extrêmement difficile aussi pour la famille, il y a bien entendu la personne qui, elle, a à mourir, mais pour la famille, pour le recueillement, la maison devait être un endroit extraordinaire pour cette femme-là. Merci, Pierre, d'avoir appelé. Oui, puis j'espère que le gouvernement va mettre un petit peu d'argent là-dessus. Oui, en effet, parce que je pense que ça coûterait beaucoup moins cher au gouvernement et que ce serait bon pour les gens. Merci d'avoir appelé. C'est officiel. Merci, madame. Merci beaucoup. Bonjour. On sent l'émotion dans la voix de Pierre, même après toutes ces années. Je reçois beaucoup, beaucoup de courriels. Ici, la situation actuelle n'est rien en comparaison à ce qui attend la génération des baby-boomers, qui très bientôt, des gens qui seront eux aussi malades et ou mourants. Nous serons très nombreux et ce sera très coûteux pour la société. C'est financièrement impossible d'augmenter de 5 %, 7 % ou même 10 % par année le budget pour la santé. Une solution,
mourir à la maison et permettre l'euthanasie assistée pour ceux qui le désirent. Bonjour Mme Vachon, je crois que oui, nous pourrons mourir dignement au Québec, mais il faut le voir, le vouloir, car ce n'est pas dans nos hôpitaux que nous allons mourir dignement. J'ai vécu cette situation dernièrement. Un de mes proches est décédé d'une tumeur. Il a pris la décision de mourir chez lui, près de sa famille. Il ne voulait pas mourir dans nos hôpitaux comme une bête de cirque que tout le monde observe. Merci de m'avoir lu. Il y a un autre courriel. Oui, je crois que nous pouvons mourir dans la dignité, mais si nous avons de l'argent... Ça revient encore à ça, hein? Ceux qui ne peuvent pas se payer un endroit finissent par mourir dans l'endroit où ils aboutissent malheureusement. Et si vous avez de l'argent, vous avez de meilleurs soins. Claude est en ligne. Bonjour Claude. Moi, on vient de vivre une situation. Ma mère était très malade. Elle a 89 ans maintenant. Mm-hmm. Elle s'est sortie de cette situation. Et puis, nous sommes 6 enfants. Et puis, tous les jours, nous nous sommes relevés, tous les enfants. On voulait pas que ma mère aille en institution. Il n'en était vraiment pas question. Est-ce que votre mère était chez elle? Oui, elle vit chez elle. Elle est seule, là, présentement, puis mm-hmm. elle vit seule. Mm-hmm. Et puis, c'est parce qu'elle a eu une période très difficile, puis elle est passée au travers de ça. Puis, je pense que si elle a passé au travers de ça, c'est parce qu'elle a 4 garçons, 2 filles, et puis nous étions présents. C'est vraiment très important, Claude. Dans les gens qui nous appellent aujourd'hui disent, écoutez les familles et les enfants, vous avez des responsabilités face à vos parents et à vos aînés. Savez-vous, mademoiselle, j'aurais un commentaire à faire. Allez-y. Quand j'étais jeune, ma mère me donnait mon bain, me faisait manger. Oui. Aujourd'hui, les rôles sont renversés. Je lave ma mère et je la fais manger. Bien, votre mère, Claude, a bien fait ce qu'elle avait à faire. Oui, mais c'est juste un retour des choses. Exactement, mais maintenant que vous êtes adulte, elle a tellement bien rempli son rôle de mère. C'est un fait. Que vous voulez maintenant bien remplir votre rôle de mère. Oui, puis mademoiselle, si un jour, ça va arriver, elle a 89 ans, si un jour arrive quelque chose, je la prends avec moi, c'est sûr, puis elle va venir finir ses jours avec moi. Il y a tellement d'entraide aujourd'hui, l'entraide Ville-Marie, puis ces choses-là. Oui, entraide Ville-Marie qui semble être un organisme assez extraordinaire. Et puis ma mère, elle a eu beaucoup de bons services. En passant, je pourrais remercier le Centre Olivier qui m'ont excusé, j'ai beaucoup d'émotion. Ah, ben allez-y, parce que Claude. Je reviens un peu qu'est-ce que c'est qui est arrivé mais à ma mère. Mais ça se comprend, Claude, puis, d'avoir de l'émotion. C'est votre mère. Oui, oui. Et puis, je peux vous dire une chose, c'est que je lui lève mon chapeau parce qu'elle a eu... Ma mère est obligée de se lever à 5h30 pour aller prendre des prises de sang spéciaux avant, quand on m'arrête un petit peu. Et puis, mais ils viennent chez elle. Franchement, là, on dit qu'on n'a pas de service et puis qu'on ne peut pas mourir dignement, mais moi, je ne crois pas ça. Si on se retrousse les manches, là... On a des services, donc si on est une famille puis on est capable de s'informer, on peut avoir ces services-là. Oui, on s'est occupé de ça, puis on s'est organisé la maison. Ma mère avait un très bel appartement. Il a fallu se débarrasser des choses, qu'elles soient fonctionnelles avec sa marchette, puis ces choses-là. Mais c'est une belle histoire de famille, Claude. Ça lui donne espoir en la vie. Oui, exactement. Merci d'avoir appelé. Et puis, c'est seulement qu'un retour des choses. Hein. Ça a été très facile pour nous de lui redonner ce que c'est qu'elle nous a donné quand on était jeune. Bien, c'est une belle histoire. Merci de nous l'avoir racontée. Ça nous insuffle un peu d'espoir. Je crois qu'il est possible, et c'est Cécile qui nous dit ça, de mourir en dignité à condition d'avoir un très bon médecin et qu'il accepte de soulager la douleur efficacement et rapidement. Je sais que ça existe dans certains centres d'hébergement qui ont une section en soins palliatifs, mais si le médecin traitant n'est pas pour le soulagement rapide de la douleur, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Entrée à l'hôpital le 1er janvier 2005. Ma mère, âgée de 76 ans, y est décédée le 10 janvier à la suite d'une infection pulmonaire. C'est Ginette qui nous écrit. Elle a reçu tous les traitements possibles pour la guérir, mais devant l'inévitable, malheureusement, elle a été entourée de bons soins palliatifs, de compassion par tout le personnel de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay. Elle est morte doucement et dignement, entourée de sa famille. Alors, Bruno, des histoires comme ça, c'est une belle histoire. C'est la mère de Ginette qui, elle, a eu droit aux soins palliatifs. Les gens qui appelaient, eux, c'est un sujet qui soulève des passions et des opinions vraiment différentes. Hein? Des courriels, des téléphones. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à notre appel. D'ennuis intestinaux. Alors, la santé du pape est fragile. Vous savez, il y a déjà annulé des activités au moins jusqu'à vendredi prochain. Il y a des examens médicaux qui seront faits avec le Saint-Père demain. Également, un bulletin de santé complet détaillé demain. Officiel. Merci beaucoup, Karine. Au revoir, Sophie.
Alors, le docteur Laberge va nous aider à mettre tout ça en perspective. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, Sophie. Difficile de se prononcer à distance, on le sait, avec si peu d'informations. On parle de laryngotrachéite aiguë, de crise de spasme au larynx. Est-ce que c'est dangereux, tout ça? Ben, théoriquement, on sait que la laryngite, hein, c'est quand vous parlez un peu comme ça, puis quand vous vous mettez à tousser très rauque, ouais. Ça veut dire que le tuyau est très enflé. Mm-hmm. Le problème avec le PAP, c'est que d'habitude, quand on a une laryngite, trachéite, souvent, ça devient une bronchite. Le stade après, c'est une bronchite. Donc, évidemment, lui, il a de la difficulté à tousser. Quand ça va devenir productif avec des sécrétions, là, il va avoir plus de difficultés, il va avoir des morceaux de sécrétions qui vont probablement glisser. Le danger d'étouffement. L'autre chose, c'est de coordonner la toux avec le phénomène d'avaler. Donc, il risque d'aspirer des sécrétions de la salive et ça, ça va compliquer son tableau. Oui. Le fait de ne pas avoir effectivement la force musculaire pour expulser tout ça, il faut savoir qu'à son âge, les gens aussi, on se fie sur la fièvre, des signes comme ça. Oui. Mais il y en a fait un peu, d'ailleurs. C'est ça. Un 37,5 à 84 ans, ça équivaut souvent à un 39 quand on est tout petit. Mm-hmm. Alors, il va être à surveiller étroitement. On va surveiller son oxygène, on va surveiller tout ça. D'accord. On sait que son système immunitaire est très affaibli. Est-ce qu'on peut craindre une sorte d'effet domino, là, s'il y a des organes qui font problème? C'est sûr. Parce que s'il se met à faire de la fièvre, le cœur bat plus vite. À ce moment-là, les poumons peuvent avoir des problèmes. Oui, voilà. C'est sûr. Merci beaucoup. On va suivre ça. La grippe, hein, qui fait rage partout, même au Vatican. Mais il y a de l'énergie. Merci. Payant les jeux vidéo, Ubisoft va créer des centaines d'emplois à Montréal. Je pense que ça peut faire rêver aussi et donner beaucoup d'espoir pour les jeunes de poursuivre leurs études. Plus tard au TVA, 22h. Bien, ça y est, le gouvernement fédéral a déposé son projet de loi pour redéfinir le mariage, pour en fait légaliser partout au Canada le mariage entre conjoints. Depuis le début. Le tribunal a apprécié l'ensemble des circonstances, a rendu sa décision. On doit la respecter. Malgré ce verdict d'acquittement, Mario Duprat entend poursuivre... La formule gagnante pour rouler au volant de la toute nouvelle... Février. De 17h à 20h. 17h, ouf. Non, excuse. Les professeurs de tous les programmes seront sur place pour répondre à tes questions. Tu peux faire ta demande et obtenir une réponse sur place. Il y aura même une visite du collège et de la résidence. Je l'ai raté! Abstraction. On t'attend le 10 février de 17h à 20h. C'est à Digé. Au collège La Pêche, on a la boîte. Les midis de Véro. Que c'est excitant. Oui. Salut tout le monde, bon midi, ici Véronique Loutier. Et Marie-Soleil Michon. Arrête donc. Ben oui. Aujourd'hui, sujet du jour assez rigolo. Incroyable. Oh, ça c'est une belle chanson. On s'entend? Ah ben là, va falloir prendre un autre appel. OK. 100,1 rythme FM. Est-ce que c'est moi qui rêve ou bien il me semble qu'il fait un petit peu chaud tout à coup? T'es jamais content. Il fait toujours trop chaud, trop froid. Ben, c'est pas de ma faute si j'aime mon confort. Non, mais veux-tu même dire pourquoi il change pas ça, ces vieux thermostats-là? Oh. Mieux consommer, c'est installer des thermostats électroniques pour être plus confortable tout en économisant 10% sur vos frais de chauffage. Ça a l'air de quoi, un thermostat hydroponique? Électronique, nano. Ben oui, c'est ça. Pour d'autres trucs et conseils...